Je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans, j'ai grandi aux Arcs, aujourd'hui je suis monitrice de ski et pendant 5 ans j'ai fait des compétitions sur le circuit de freeride, donc sur les qualifiers. Je m'appelle Nicolas Piguet, je suis moniteur de ski, freerider, j'ai 48 ans, je suis passionné par le ski depuis 45 ans. Je suis aux Arcs depuis 25 ans, ma vie c'est le ski, je vis que pour ça. En 2016, j'étais première au général, il me manquait un résultat et le 9 mars, juste avant l'étape de Nanda, sur la réception d'une barre rocheuse à l'entraînement, j'ai un ski qui est passé en dessous et en ayant bien atterri, ça m'a tiré la jambe derrière, j'ai senti un claque et j'ai senti direct que mon genou il avait lâché. Le soir même, je suis allée voir Jérôme qui est mon ostéopathe qui me suit habituellement. À l'examen, il a tout de suite vu que mes croisés étaient touchés. Il m'a tout de suite conseillé de garder une certaine position qui est celle à respecter dans un protocole de cicatrisation que lui il connaît, que moi j'avais déjà entendu parler. Et ensuite il m'a orienté vers un cabinet médical qui connaît très bien ce protocole et cette prise en charge pour continuer cette démarche si j'avais envie et si je pouvais rentrer dans ce protocole. L'hiver dernier, au mois de février, je me suis fait surprendre sur un itinéraire que je connaissais très bien par une plaque avant. Je pars au cabinet médical directement, le médecin me fait le test du tiroir et il me confirme que j'ai rompu mon ligament croisé. Il me parle du protocole que je connaissais parce que Chloé m'en avait parlé. Je teste le tiroir antérieur. Tu sens, là, ça fait clac. T'as l'impression qu'il y a un truc qui se tend ou que ça tape. C'est ton ligament croisé antérieur. Croisé antérieur, croisé postérieur. Croisé antérieur, il empêche au tibia d'aller sur l'avant. Croisé postérieur, au tibia d'aller sur l'arrière. Du coup, il y a trois possibilités pour le ligament croisé. La première, qui s'applique plutôt sur les personnes plus âgées que toi, c'est d'apprendre, de faire travailler les muscles ischio-jambiers qui sont à l'arrière de la cuisse et qui vont retenir ton tibia pour pas qu'il parte en avant et qui vont compenser le manque de ligament croisé. Il y en a qui vivent très bien avec, il y a même des moniteurs qui skient sans ligament croisé. La deuxième solution, c'est effectivement l'opération. L'opération, ça a pour inconvénient d'être obligé d'attendre 3 mois pour te refaire une musculature et pour que l'inflammation dans le genou disparaisse avant qu'il puisse t'opérer. Parce que le fait de faire une ligamentoplastie, il faut avoir un genou qui est bien sec. Propose aux gens le protocole de cicatrisation du ligament croisé antéro-externe du docteur Delin, qui a été validé par la SOFCOP, qui est la Société d'orthopédie et de traumatologie, donc les chirurgiens orthopédiques, en 2012. Cette méthode, elle consiste à aller voir avec un IRM un peu spécial, qui s'appelle un IRM en diffusion, qui a été développé, qui a été mis au point par le docteur Delin, un radiologue parisien. Et c'est l'IRM classique que tu ferais dans n'importe quel centre de radiologie en France te montrerait ton ligament croisé rompu ou pas rompu. Donc cet IRM montre la rupture du croisé, confirme le diagnostic du médecin. Le ligament reste en place avec des fibres résiduelles qui peuvent peut-être cicatriser. Il y a une chance que ça marche, donc on peut le tester selon le vouloir du patient. Mais il y a beaucoup de cas où on élimine les patients parce que le ligament est rétracté, il a disparu et il n'y a aucune chance de cicatriser. Donc l'IRM, c'est vraiment un carrefour pour dire
ok, on peut tenter la ségrégation, c'est pas sûr que ça marche, mais on peut essayer, ou c'est sûr que ça ne marchera pas. Le protocole qui est utilisé depuis une dizaine d'années comporte deux IRM, une IRM initiale, pour pouvoir inclure les gens ou non dans le protocole, et ensuite une IRM de contrôle à 6 semaines, qui a un élément intermédiaire pour vérifier que le ligament cicatrise toujours. Si jamais le ligament ne cicatrise pas, ça arrive, on arrête le protocole. S'il cicatrise, on continue. Donc il y a deux phases, de 2 fois 6 semaines. La première phase, le ligament est bloqué dans la telle avec une mobilité limitée, et la deuxième phase, on libère progressivement le genou. Je vous montre des images tout à l'heure, l'IRM classique peut montrer que le ligament est complètement déplacé, il a disparu, auquel cas il n'y a aucune cicatrisation possible, et le ligament peut éventuellement être en place. Dans ce cas-là, la diffusion est une séquence, en plus de l'IRM classique, qui permet de nettoyer un petit peu l'œdème et l'hémorragie. Quand il y a une entorse, quand le ligament se casse, il y a un saignement, il y a de l'œdème, et ça a un aspect tout blanc en IRM. La diffusion permet d'effacer un petit peu, comme un chiffon qui efface de la buée sur un carreau. Pour la petite histoire, j'avais lu une publication dans un congrès américain, fait par un Français, le docteur Delin de Paris, et quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, mais c'est génial, ça, il faut le faire. Donc, on a la chance d'avoir la même machine que lui, la même séquence, donc on a pu mettre ça en place assez rapidement. Mais c'est le côté intéressant de la communication médicale, c'est en un congrès américain, je vois un truc fait par un Français, et je me dis, mais ça nous intéresse. Et dans les Alpes, il y a beaucoup de gens qui savent vivre le genou. Donc on est à Grenoble, on est aux premières loges pour faire ce protocole. L'attelle qui va te mobiliser entre 30 et 60, comme je t'ai expliqué. L'extension complète, c'est 0. Donc cette attelle, là, on voit les angles. En extension, tu es à 30. En flexion, tu es à 60. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, si tu as compris le principe de la cicatrisation, si tu étends ton genou au-delà de 30, ou si tu fléchis au-delà de 60, tu vas déchirer ce qui est en train de cicatriser. Tu dors avec. Tu risques d'étendre le genou ou de le fléchir trop sans t'en rendre compte. Il faut mettre un petit coussin sous la telle de façon à garder l'angle à 30 degrés. Et pendant la douche, tu mets un petit tabouret dans la douche de façon à ce que tu gardes ton. Tu forces pas, tu mettes pas trop d'appui sur le genou. Si tu veux que ça fonctionne ce protocole, il faut que tu te reposes. Donc c'est une vie, on va dire, un peu de grand-mère quoi. Une vie de grand-mère, ça veut dire tu peux aller acheter la baguette de pain si ta boulangerie n'est pas trop loin. Tu peux marcher un petit peu dans un parc, un truc comme ça. Et tu peux marcher sans béquille parce que tu n'as que le ligament croisé. Mm-hmm. Sur la pointe des pieds, parce que le fait de lever le talon, de faire l'effort de lever le talon comme ça, tu contractes naturellement tes muscles ischio-jambiers qui sont à l'arrière de ta cuisse et tu verrouilles ton tibia en arrière. Okay. Et du coup, le fait de verrouiller ton tibia en arrière, bah, ton ligament croisé il travaille encore moins. Surtout, le pire ennemi de ce protocole, c'est de faire de la rotation. Donc, si tu tournes ton genou comme ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est là où le ligament croisé travaille le plus. Précise que les fibres du ligament sont bien dans l'axe, donc je peux faire le protocole. Donc là, je suis parti pour 6 semaines à avoir cette attelle. Je suis en mode hyper sérieux, hygiène de vie parfaite. Je reste dans mon canapé, je bouge pas pendant ces 6 semaines. Au bout de 4 mois, je marchais, j'ai recommencé à faire doucement de la montagne et beaucoup de, d'exercices, rééducation, de la natation. En fait, j'avais une kiné que je voyais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Et après, en fait, je faisais la kiné chez moi, je faisais les exercices chez moi.
pour la sort. Actu, ac, 09. Au bout de 5 mois, j'ai refait mes premiers pas en highline. J'avais pas prévu à la base, on m'avait dit que je referais rien avant 9 mois. Et du coup, j'avais prévu de partir en Inde pour me laisser plus encore le temps de récupérer en faisant du yoga, en continuant la méditation et en laissant vraiment mon temps au corps pour récupérer. Du cinquième mois, j'ai commencé à faire du vélo tranquille, 10 km, 20 km, 30, 60. Et après, j'ai commencé à faire de la montagne. Et là, je suis parti sur un total de 4000 km. Après, j'ai fait beaucoup d'exercices spécifiques au ski avec aussi la slack parce qu'il m'avait beaucoup parlé de la proprio juste avant la saison de ski. Là, je suis parti en salle. J'ai fait des gros exercices avec des bosus et des marches de step où je faisais des parcours. Initial du docteur Delin sur plus de 100 patients, quand on est dans les bonnes conditions de sécurisation, ça marche dans 80% des cas. Donc il y a 20% d'échecs, voilà. Donc ce qui est important dans ce protocole, c'est d'évaluer, et ça on est en train de le faire, à long terme, comment le genou évolue. Parce que le ligament, le patient peut être content, il peut skier avec un genou qui est un peu instable, ses ménisques s'abîment, et si on le voit 5 ans après avec une arthrose, c'est un échec. Pour l'instant, on n'a pas d'études anatomiques. Il faudrait refaire des IRM, refaire des examens, faire des tiroirs et puis dire voilà, bah, on a fait une étude, on a pris 100 patients, 200 patients. Et ça, c'est en cours. Ça n'a pas tardé. Quand j'ai mis les skis, je me sentais trop bien. J'ai eu un petit doute dans ma tête parce que je ne savais pas où j'allais. Dès que j'ai commencé à glisser, je sentais que le genou, il n'y avait aucun souci. Pour être vraiment en confiance sur les skis, ça a quand même pris 2 ans. Aujourd'hui, c'est la 3e année. J'ai repris absolument toutes mes activités comme si de rien n'était et j'ai aucune séquelle, j'ai aucune douleur, j'ai aucune sensation d'instabilité, j'ai le même genou que j'avais avant, quoi. Ce protocole, c'est une alternative à l'opération qui vient rien enlever à cette méthode qui est connue et qui est établie depuis des années, qui fonctionne très bien. Nous, on a plein d'exemples autour de nous qui se sont très bien remis, comme on a aussi parfois des exemples où ça a répété. Et c'est la même chose avec ce protocole de reconstruction naturelle où bah, y a des exemples où ça a très bien fonctionné, comme pour nous, et des exemples où ça a répété derrière. Donc c'est juste deux méthodes et c'est juste intéressant de savoir que ça existe pour pouvoir faire le choix en fonction de si ça nous intéresse de partir pour une ou l'autre. L'important au final dans le choix qu'on va faire de la méthode, c'est de le faire avec notre cœur, avec notre trip, avec conviction et avec... Enfin, faut être à 100%, quoi. Peu importe ce qu'on fait, faut le faire avec le sourire et s'investir à fond, quoi.